mets un peu de baume. Extraordinaire. Bien sûr. Bonjour. Jacinthe m'a invité ce matin. Oui. Ben j'aime ça quand t'es là, mais c'est surtout que on m'envoie des témoignages en ce moment, parce que demain, il faut choisir. Ça va être très difficile. Là. Déjà, je te le disais hier, là, ça se pourrait que Balou... Je sais pas qu'on travaille, hein? Balou se joint à nous. Puis, il y a un fil, tu sais, notre fil de Wi-Fi n'est pas... Non, c'est pas un fil de Wi-Fi. On n'a pas de Wi-Fi. On n'a pas de Wi-Fi, le fil d'Internet. Donc, comme il y a 15-20 ans. Oui. Donc, on m'envoie des témoignages, puis là, ce matin... Il y en a des beaux, hein? Ah. C'est comme, c'est touchant. Mais pas juste les témoignages. Juste hier, on était à Eastman, puis je t'attendais. J'ai eu la chance de rencontrer quelques clientes qui doivent attendre un peu dehors, des fois, parce que c'est deux maximum. Et c'est tout le temps des gens extraordinaires, des gens d'une humeur. C'est comme... Et, j'aime ça. Ben, moi aussi, j'aime ça. À chaque fois qu'on vous rencontre, on revient, puis on parle de vous. On trouve que. Puis plusieurs amitiés restent aussi. Mais il y a plusieurs conseillères aussi en boutique, des fois, qui sont hyper occupées. Puis en fin de journée, ils nous disent quelle belle journée on a eue. Parce que vous êtes comme des gens. Ben, c'est des clients qui décident, c'est des gens qui décident de se faire du bien, qui ont pris des belles décisions, qui, c'est des achats qui apportent du bonheur. C'est pas, là, ils mordillent un petit peu, là. Tu sais, moi, j'ai eu le témoignage de Lucie. À un moment donné, Lucie, elle écrivait, puis elle dit, ça a tellement changé l'alimentation, tu sais, ce qu'on vous propose. Elle dit, ça a tellement changé, c'est difficile à décrire. Mais j'ai dit, écrivez-moi là, parce que c'est chouette quand nous, on a les rapports des maisons, par exemple, de savoir qu'est-ce qui a fait quoi, qu'est-ce qui a changé. Tu sais, hier, on avait... C'est le fun de la partager par après. Oui, c'est ça, à la prairie, je pense que c'est une femme qui a commencé à prendre le focus, le supplément focus, puis qui a dit que c'est étonnant comment qu'elle peut maintenant retenir, transmettre les informations, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Donc, nous, on aime ça, savoir précisément ce que ça fait. Tu sais, c'est comme si à chaque fois, on a des cas, plusieurs trucs se regroupent, fait qu'on le sait. Si quelqu'un, après ça, nous arrive puis nous dit « j'ai telle affaire », on va savoir aussi. Et avec les produits soins, des fois, on apprend quasiment. Hein? Beaucoup, hein? C'est beaucoup. Comme il y a des gens qui sont là, qui tentent des associations, puis... C'est agréable. Oui, vraiment. Donc, Lucie, elle écrivait ce matin, puis ce que je vais faire après, je vous ai remis, j'essaie toujours d'être plus concise, efficace dans mon partage pour que ça soit facile. Je m'étonne toujours qu'il y en a qui demandent encore quand est-ce que je prends les fibres, tout ça, puis j'ai l'impression des fois de me répéter, mais moi, ça me fait plaisir de vous donner l'information, mais je veux toujours être claire, précise et que ça soit simple, parce que c'est si simple. Mm-hmm. Ça, mais là, je vais passer en revue c'est aussi. C'est simple, mais c'est il y en a beaucoup. Ben, c'est ça. Mais je veux... Des fois, t'es compliqué un peu. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que je pars sur des chemins, je reviens, mais je veux essayer aussi de passer à travers les suppléments, juste pour vous dire... Ce que vous nous avez dit, comme ça, c'est pas nécessaire de commencer avec tout. Mais ça se peut-tu qu'il y ait quelques trucs de base? Pas si oui. Ça se peut-tu, là. C'est très oui. Clair. Là. Mais c'est comme toi hier, tu sais, quand quelqu'un m'a parlé du complexe B, dire que ça avait changé sa vie, te dire, des fois, je le skip, celui-là. Je dis, c'est celui qu'il faut prendre. Moi, tu me remets à ma place, en hein, c'est que lui, je l'ai passé. Et je comprends pas, parce que surtout notre complexe B qui est en version active, en tout cas, je veux passer à travers. Pour moi, il y a. Là, tu me connais, je vais prendre en double. Oui. C'est pas, faut pas faire ça. Mais, tu sais, je vais sortir aussi l'information de... Tu sais, Jean-Yves dit ça et ça, c'est comme la base. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a certains trucs de base, comme le matin, par exemple. Tu sais, mais après ça, il n'y a pas une rigidité extrême. Il n'y a pas de rigidité, il n'y a pas de tricherie. C'est juste des lignes directrices. Et ça fait toute la différence. Écoutez, j'ai des pages et des pages et des pages de témoignages. Il y a des témoignages extraordinaires. Hein? Des fois, là, tu, tu,
Paulin, le chum de Daniel, mais je pense qu'il y en a certains que je vais vous lire demain parce que demain, on va offrir parmi tous les témoignages tout ça ici, Je justement. pensais que tu voulais partager ce que tu as vu ce matin. Oui, mais oui, j'y arrive. Mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de témoignages, mais en gros, ce que vous nous dites, c'est que vous retrouvez votre énergie. Ça, c'est un bien-être. Lucie, ce qu'elle dit, c'est indescriptible, tellement je me sens bien. Et je peux comprendre, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de bien se nourrir, de bien digérer, d'être bien dans son ventre, dans son corps, elle a dit au niveau de l'état d'esprit aussi, comment que ça a tout changé. Fait que, ça, c'est numéro un. Après, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui perdent des surplus de poids, mais nous, ce n'est pas notre discours. Mais ça arrive évidemment avec une bonne alimentation, cellulite, ventre plat, tu sais, tout Mais ça. ça arrive parce que c'est une roue, on en parlait, c'est que si ça va mieux, bien, on dort mieux, on dort mieux, bon, on va marcher, on va dehors, on fait de l'exercice. Il y a comme une roue qui se crée, là. Exactement, Fait que ça se exactement. peut qu'on perde du poids. Oui, mais c'est pas. Et il y en a Moi, tu l'as même. même remarqué chez moi. Oui. Okay? Tu me l'as dit, je ne savais pas que j'avais pris du poids, je n'avais pas remarqué. Hein? Tu as été gentil de ne pas le dire. Mais c'est. J'allais dire, c'est normal. Tu sais, on a tous été moins, tu sais, sorteux dans les 2 dernières années. Mais effectivement, c'est. Et il y en a même qui ont dit, tu sais, à vous C'était pas lire, énorme, là, faut sentir. non. Et à vous lire, on comprend aussi que, puis après ça, j'en parle avec Jean-Yves, si y a quelque chose, moi, qui me surprend, par exemple, il y a une femme qui dit, j'avais déjà changé mon style de vie, donc, tu sais, juste la salade va faire une différence. Oubliez les super-aliments, suppléments, juste la salade avant les repas fait la différence. Là, j'allais dire quelque chose, mais je vais revenir à la personne hier qui a acheté Ben, ce mais qu'elle c'est faisait. quand même le fun, ça. La Oui. cliente est allée, je ne sais pas trop combien de 7 légumes qu'on a compris. C'est plus que ça. Encore, il y en avait 7 dénumérés. Ouais. Et oui, il y a des économies, pas énormes, mais il y en a quelques-unes, il y en a un peu, d'après ses calculs. Encore là, on va à la Un peut-être, dollar la salade, mais c'est quand même le peut-être. fun. Puis Mais nous, on a 12 à 14 je vais légumes aller voir ce différents. qui se OK. passe en bas. Donc c'est quelqu'un qui a fait le calcul, qu'elle a dit qu'elle avait acheté des légumes, qu'elle pensait qu'elle en avait peut-être pour 10 salades, ça lui a coûté 50 $ de légumes bio. Puis nous, notre vrac, il coûte autour de 30 $, je pense, pour 5 repas salades, mais il y a 12 à 14 légumes bio. Donc nous, on était contents parce qu'on s'est dit, ah, ça serait chouette que quelqu'un fasse l'exercice de savoir combien ça coûte. Donc ça c'était sur la page des accros hier. On aime beaucoup vous épier sur la page des accros. Mais il y a aussi une autre personne qui nous disait qu'elle avait entamé un changement d'alimentation, donc couper certains trucs comme le pain tout seul, puis rajouter la salade à sa vie. Mais que l'extra de poids qu'elle n'arrivait pas, qui se logeait au niveau de l'abdomen, puis qu'elle n'arrivait pas à se débarrasser, elle y est arrivée avec les fibres et l'extrait de thé vert. Donc, moi, c'est certain qu'à ce moment-là, je demande, je pose des questions à Jean-Yves, puis il dit, ben oui, parce que si, ça. Donc, c'est intéressant des fois de savoir sur quoi on peut Et s'appuyer. c'est fun parce qu'on observe, après ça, on confirme, puis on Oui. s'en va. J'aime ça, moi, cette dynamique-là. Ça devient qu'on est comme, on a des références, c'est incroyable. Tu sais, à nous tous, puis tu sais, on se le disait hier, parce que sur le trajet, en allant à Eastman, en revenant, on parle, tu sais, c'est pas quelques centaines de témoignages qu'on a, c'est des milliers, des dizaines de milliers depuis 2013, tu sais, 2014 le premier livre, 2013 le site. Et là, ce qui est chouette, et je l'ai réalisé cette année, quand je vous ai écrit la détox pour cette année, c'est qu'on a vraiment beaucoup de possibilités, ce qu'on n'avait pas il y a 2 ans même. Tu sais, on avait juste la salade, les fibres, l'ami. Tu sais, c'est à peu près ça. Mais là, moi, ce que j'appelle ma fontaine de jouvence, c'est puissant. Les effets sont encore plus fabuleux. Les gens me trouvent cute. Ils sont contents. Vous aimez ça quand Sylvain. Bon, Ah! moi, j'aime ça quand Sylvain est là. Des fois, Jacinthe insiste un peu, mais je suis occupé ce matin, j'ai opéré dans l'ego. Oui. Merci. Bon, je vous lis le témoignage. C'est pour ça que je voulais que Sylvain soit là, de Lucie, parce que Sylvain a fait du bien à Lucie. Fait que je voulais que Sylvain soit là quand je le lis. Puis après ça, je vous passe en revue les suppléments. Je vous ai déjà mis un lien vers
un tableau à titre indicatif, mais tellement pertinent pour certaines personnes, c'est comme révélateur. On trouve comment, là? J'ai mis le lien. Donc, allez sur le site de maisonjacinthe.ca, allez sur le blog, vous allez voir les ingrédients de focus, vous allez voir les métabisènes gluconiques, vous allez voir, tu sais, des discours qu'on a eus autour. Et si vous cherchez une solution en quelque part, elle est là sur le site, tu sais. Et ce tableau-là, quelqu'un m'a dit, j'ai des plaques sèches sur le corps depuis des années, je pense, c'était très très longtemps. Elle a dit, j'ai vu sur le site que ça pouvait être un manque de gras. C'est logique, tu sais. Donc, le tableau, c'est une docteure en Angleterre, c'est Jean-Yves qui a parlé d'elle à un moment donné pendant un direct, puis c'est une docteure qui a répertorié, tu sais, si vous avez tel symptôme, ça se pourrait que, et c'est vraiment à titre indicatif, ça se pourrait que, parce qu'il y a beaucoup de données à prendre en compte, ben, elle dit, ça se pourrait que ça soit, dans le cas des plaques sèches, un manque de gras. Si vous avez des ongles striés ou des cheveux qui tombent ou peu importe, ça se pourrait que ça soit ci, ça, des clous dans les pieds, tu sais, plusieurs. Fait que c'est intéressant de savoir que, hey, ça se pourrait qu'il me manque de minéraux. Et elle, donc on avait lu son témoignage à elle, bon, juste en prenant des oméga, ce sont des gras, de l'huile d'avocat, de l'huile TCM, plus de problème. Mais tu sais, quand ça fait des années que tu traînes quelque chose, donc ce tableau-là, il est là. C'est quand même triste d'avoir traîné ça des fois si longtemps. Hein? Si longtemps. Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein, On s'habitue à vivre avec quelque chose. Oui, puis des personnes qui prennent des suppléments, donc qui dépensent dans les suppléments, mais qui n'ont pas de différence. Puis là, qui arrivent avec les nôtres, chérie, ça, on le lit souvent. Ben, on a eu une lettre là-dessus un peu particulière. Une dame qui avait trouvé les ingrédients, les dosages identiques. Puis après quelques semaines... Qui était revenue. Ça, c'était pour le collagène, je pense. Ah, OK, oui, absolument. Ah, ça se peut-tu? Mais même, tu sais, Lucie, le mentionne... On est très intègre au niveau de la qualité des ingrédients. Je suis content que tu le dises. Ça serait, on ne peut pas, on a comme façon de faire, de prendre ce que le meilleur. On ne peut pas, dans aucun de nos produits, de tous nos produits, de peu importe la gamme, on ne peut pas dépenser davantage ou trouver mieux que ce qu'on a. J'aime ça, dépenser davantage. On ne peut pas. Si on voulait, on ne pourrait pas. Et... Avec, depuis 7 ans, on a fait des miracles pour, quand on parle de sourcing, là, on a développé des relations extraordinaires pour aller chercher des ingrédients qui ne sont pas disponibles tout le temps. Là. Ça prend un budget, ça prend des relations, ça prend un historique aussi d'affaires, une crédibilité. Dans les huiles essentielles, il faut s'appeler Chanel Guerlain, par exemple. Des fois, pour aller avoir accès à différentes sources. Après, eux, ils traitent le produit différemment. Ça, c'est leur modèle d'affaires. Nous, on est dans le naturel, vous le savez. Mais on a une façon de faire que peu d'entreprises peuvent se targuer de faire. Parce que des fois, c'est une question de philosophie. C'est une question de culture d'entreprise, mais c'est aussi une question de... Ben, ça prend différents moyens. T'sais, Maison Jacinthe s'est développée beaucoup là, depuis quelques années. Sans en conservant toujours la même pensée, la même culture, la même façon, volonté de faire, mais en développant des liens puis des moyens pour pouvoir faire encore mieux les choses. Et là, actuellement, je pense qu'on a atteint un certain niveau. Là, je ne sais pas où est-ce qu'on peut mieux faire. L'idée, là, c'est de jamais lâcher le morceau. Et croyez-moi qu'on ne le lâchera jamais, dans le sens que c'est ce qui nous rend heureux. Dans notre business, vraiment. Actuellement, c'est moi ce que j'aime, ce qui me transporte, c'est ces lettres-là, ces témoignages-là qu'on reçoit. Et on ne va jamais, jamais s'organiser pour arrêter ça. On va toujours maintenir ce standard-là, ce niveau-là de qualité. Et je veux juste vous répéter quelque chose. J'ai souri à un moment donné parce que j'ai vu Yannick, elle demandait au Père Noël un Sylvain, puis elle ne l'a pas eu. Ah! Mais, c'est vrai, drôle. Au niveau des formulations, et non, l'huile TCM, ça n'a rien à voir avec l'huile de chanvre. C'est complètement séparé. L'huile TCM, c'est de l'huile TCM. C'est de l'huile qui est fragmentée. C'est des chaînes courtes pour générer l'énergie. En tout cas, moi, je le prends dans ma salade. Oui, moi, je le prends dans mon lait. Je la trouve bonne, moi, cette huile-là. Oui. Pas comme plusieurs mais huiles. Mais il ne faut pas, c'est une cuillerée à table par jour. Mais je veux juste vous répéter que nos formulateurs, que ce soit Nathalie, Jean-Yves, que vous connaissez évidemment, qui lui va s'occuper des super aliments, des suppléments, tout ça, on leur donne carte blanche. Et ils n'ont jamais eu carte blanche en 35 cartes de café. Non, le comptable ou le gars des finances dit non, ça, voici les alternatives.
on va s'entendre sur le choix numéro 2 ou 3 ou 4. D'habitude, les compagnies vont dire, fais-moi une vitamine ou un complexe pour tel prix. Ils ne disent pas, va chercher ce qu'il y a de mieux et ce que toi, tu prendrais. Même si c'est drôle, parce qu'on n'est pas une si petite entreprise, mais des fois, on joue dans la cour des grands, là, puis on fait affaire avec certains gens qui nous disent, c'est la première fois en 20 ans ou 30 ans de carrière que personne n'argumente sur mon offre initiale d'ingrédients avec les prix qui sont reliés. Ils disent, il y en a plusieurs qui sont surpris. Et puis ils sont contents après. Oui, bien. Mais ils ne sont pas plusieurs, ils sont tous surpris. Ça n'est jamais arrivé. Et notre partenaire en huile essentielle, quand on s'est assis avec lui la première fois, j'ai dit, je veux tes meilleures huiles essentielles, ta meilleure rose, ta meilleure. C'est là où, après ça, il nous a donné un sarreau, il dit, venez-vous-en, puis là, il nous a invités dans le laboratoire, il dit jamais, et lui, eux, ça fait 35 ans aussi, 40 ans qu'ils sont dans le milieu, et c'est au niveau international, on dit jamais un client nous a demandé la meilleure. Ils nous ont toujours dit, une lavande pour tel prix, une lavande. Oui, c'est ça, faut arriver dans un budget. Et nous autres, ça, c'est pas nous qui faisons ça, là. C'est la demande des autres. Et j'ai un plaisir fou, moi, à faire ça, de cette façon-là, et d'arriver à un niveau de qualité exceptionnel qu'on retrouve rarement. Vraiment. Donc, et il fait la différence. Donc, est-ce qu'on lit, là? Oui, bien, c'est ça, parce que, puis là, mais là, je suis en train de... parce qu'il est déjà à 10 heures, mais là, je l'ai mis à 10h10, il y a le tutoriel avec les 200 miettes sur le maquillage. Je serai à l'écoute. Mais là, comme il est déjà 10 heures, puis qu'on n'a pas tout à fait fini, j'ai dit 10h10, OK? Fait que je ne sais pas si Valérie et Sarah, vous êtes à l'écoute, mais 10h10, s'il vous plaît. Donc, bonjour Belle Jacinthe, je suis très intimidée de t'écrire. Mon cœur bat à tout rompre. Je te connaissais un peu avant la pandémie, mais c'est vraiment depuis le début des lives que je te suis religieusement. J'ai 63 ans. Maman de 5 beaux grands-enfants, mamie de 3 poulettes. Ben très difficile le passage de la soixantaine, la peur de vieillir, bon. Donc, j'ai été végétarienne pendant de nombreuses années. J'avais déjà coupé pain, riz, patates, mais j'ai une addiction au sucre. Je suis comme une alcoolique, si j'en mange, je perds le contrôle. Elle essayait des trucs. Donc, elle, tu sais, à nous écouter, elle a pris conscience des glucides. Donc, c'est que c'est pas nécessairement sucré les glucides. Pain, ce sont des glucides. Riz, patates, tous les féculents sont des glucides. Donc, elle a coupé dans les glucides puis introduit les suppléments. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on coupe pas, on remplace. Si vous accompagnez votre poisson, si vous mangez du poisson par du riz, mais peut-être mettre de la salade à la place. C'est ça qui fait la différence. Ou conserver le riz, mais en plus petite quantité. C'est ça. Être conscient que ça prendrait... Mais il ne faut pas se mettre à calculer. Je suis contre les calculs, mais au moins mettre des protéines dans vos assiettes et des bons gras. Donc, et je vais vous en parler après. Les suppléments font toute une différence. J'ai commencé à prendre le collagène et mes genoux ne craquent plus. J'ai comparé avec d'autres marques en pharmacie, en vrac, même bovin, et mes craquements de genoux sont revenus. Je fais le bain de bouche suivi des fibres, suivi d'une tasse de chaga chaud à laquelle j'ai rajouté une cuillère à soupe de jus de citron, puis 6 gouttes de solution rhume et grippe. Ça, c'est ce qu'on prend, le protecteur à l'intérieur. Mais le collagène, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Miraculeux. Ce moi aussi, j'ai 59 ans, cette dame-là. À 63, tu disais, ouais. Je fais des exercices, je fais des mouvements, j'utilise certains poids que je n'utilisais pas il y a quelques années. C'est quand même le fun. Puis c'est pas un concours à rien, mais j'aime ça. Mon épaule guérit, mes genoux ne craquent plus, mes articulations vont bien. On est en meilleure forme. Moi, je suis à ma meilleure forme que j'ai jamais eue. T'sais, même à une période où je m'entraînais plus jeune, début vingtaine, je m'entraînais 2 fois par jour. Toi aussi, tu t'es toujours entraînée. On ne peut pas être mieux. Et c'est ça qu'on s'était dit. Quand on s'est rencontrés, il y a 15 ans, on voulait 16 ans presque, on veut toujours avancer dans le temps. Simplement parce qu'on se sent bien. Ce n'est pas un truc narcissique, c'est pas l'ego à rien avoir là-dedans. C'est que c'est le fun. Moi, j'aime ça. C'est mon véhicule, ça, mon corps. C'est comme, il faut que ça aille bien. Il y a des beaux compliments sur toi, que tu es un homme distingué, mais tu dégages aussi un côté rough. Ça, c'est quelqu'un qui dit ça. Lis pas tout, OK? Continue avec ta lecture. Donc, à chaque dimanche, elle prépare ses peaux parce qu'elle prend les suppléments, OK? Puis elle fait ses peaux pour la semaine. J'ai introduit l'huile TCM, l'huile d'avocat, le Vital Calin. Ça, c'est des enzymes digestives, le complet que je prends avec le collagène.
Je n'ai jamais aimé le lait au chocolat ou tous les shakes du genre, mais les protéines végétales au chocolat font une belle découverte. Elles sont bonnes. C'est sûr que c'est une poudre, mais je voulais vous les faire aussi parce que c'est délicieux. Nous, on a des enfants très difficiles qui ont le dédain facile, tu sais. Puis, ils aiment tout. Ils aiment le lait au chocolat, ils aiment le complet. Ils aiment, ben, ça nous sauve, même. Oui. Ça nous sauve très souvent. Oui. Je me sens bien, des fois, là, quand ils mangent un peu moins bien, de pouvoir l'aider avec ça. Oui. Et moi aussi, je le fais des fois. Tu sais, j'ai pas le temps à déjeuner, j'ai pas... C'est oui, merveilleux, oui. Là. Tu sais, comme Charles, qui a tendance à plus manger de la viande, vous le savez, tu sais, moi, je suis végé, mais ma famille ne l'est pas, et c'est correct, tu sais. Moi, ça fait très longtemps que je suis comme ça, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il me manquait des trucs. Les suppléments, là, c'est nouveau depuis un an dans notre vie. On a commencé avant ça, mais les formulations, mais ils font une différence dans notre vie depuis un an, puis on remarque le meilleur sommeil, tu sais, tout, c'est le l'énergie qu'on a, la qualité des cheveux. J'ai mentionné remplacer. Moi, souvent, je prends une salade, puis il m'arrive d'avoir... Toi, tu es bien toute la journée, mais moi, une heure ou deux plus tard, des fois, j'ai faim un peu. Ouais. Fait qu'un shake, ça règle tout. Ouais. Puis en plus, c'est rapide, c'est pratique. C'est pas juste l'idée de... Et on veut pas remplacer les repas, parce que pour nous, c'est important, les repas, mais si on a à partir sur la route un shake aux protéines... ou un complet collagène, ça fait le travail. T'sais, même Jean-Yves, quand il a formulé les protéines, il l'a mentionné, il dit « Je sais que les gens vont prendre ça pour remplacer des repas. » Donc, la protéine et peut-être rajouter à ce moment-là l'huile TCM dedans. Et là, t'arrêtes plus, puis tu... Ben, c'est assez long, mais je vais passer dedans. Donc, je fais mon lait au noir, vite fait, puis elle dit « C'est vraiment une belle découverte et c'est tellement, tellement bon. » Quand on se nourrit pour vrai... C'est comme plus fort que nous. Tu sais, même si on n'a pas l'habitude de faire un lait végétal, c'est comme si en prenant du beurre d'amande, on rallonge d'eau. Notre corps fait « wow », tu sais, j'ai des vrais aliments. Il s'habitue rapidement à bien se nourrir. Et il en redemande. Ouais, absolument. Elle dit « depuis que je prends tous les suppléments, c'est le jour et la nuit en fait d'énergie, de bien-être. » C'est difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qu'on ressent de l'intérieur. Puis là, elle mentionne que l'été dernier, elle ne pouvait pas, elle a dû couper à cause de son budget, puis qu'elle l'a ressenti partout. Mais en tout cas, je vous le mettrai sur la page, tu sais, parce que c'est assez long. Mais elle dit, c'est à moi, Sylvain, que tu fais du bien en parlant, en dédramatisant les tricheries. Elle dit, je fais des recettes de muffins, je les congèle, tu sais, pour en prendre, tu sais, pour pas toutes les prendre d'un coup. On va même changer de nom, c'est même pas des tricheries, c'est notre façon respective d'être. Puis, moi, j'incorpore un peu de belles choses, de bonnes choses dans ma façon d'être, mais je continue à être Sylvain, dans le sens que, tu sais, j'aime manger un paquet de choses. Et quand les muffins sont sur le point de sortir du four, parce que moi, je fais un lot à chaque jour, tu sais, donc un lot, c'est 10-12 muffins, et quand ils sont chauds, t'en prends un. C'est sûr. C'est comme... Mais ça fait la différence entre ce muffin, les muffins qui ont des protéines dedans, des, tu sais, amandes, tout ça, versus... de la farine dénutrie, là, t'sais, sans vide de sens, là, comme ça, on se sent nourri, on se sent pas fatigué, on se sent soutenu, ça fait la différence, ces trucs-là. Donc, ce que je vous ai dit, puis j'ai promis à mon chum, ça serait pas trop long non plus, OK? Fibres essentielles le matin, c'est essentiel, c'est, les fibres sont essentielles. Ceci ici, là, c'est... Donc, le matin à jeun. Le matin à jeun. Et avec l'ami que je vous ai mis là, mais on y revient tantôt, fibres essentielles. Et je vous ai tout écrit ça, là. Ça a pris 4 lignes. Pa, 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 pa. C'est simple. Mais ceci, moi, ça m'a permis de retrouver un ventre plat. C'est pour la bonne digestion, le mouvement, tout ça. C'est sain et c'est naturel et c'est la base pour moi. T'sais, avant d'assimiler, il faut... bien digéré et la base du bien-être est là aussi. Donc, fibres essentielles le matin à jeun. Suivi, là, on oublie le smoothie pour ce matin parce que... Moi, c'est mélangeant, tu te dis, l'ami, c'est pas le matin. L'ami, c'est le soir, mais je dis fibres essentielles et l'ami. Merci de me dire si c'est mélangeant. Fibres essentielles et l'ami, parce que les deux, pour moi, vont ensemble. Fibres essentielles, on le prend le matin et l'ami, on le prend le soir. Donc, et ça, c'est la base pour retrouver un ventre plat. Et c'est la base même dans les super aliments. Donc, mais les amis ont besoin.
aux besoins, et je l'ai mentionné aussi au début, moi, d'un changement, tu sais, je l'ai pris religieusement 2 jours. Maintenant, je le prends 1 fois ou 2 semaines. Pas tout le temps, si j'en ai besoin. Si je mange moins bien, j'ai écrit. Si je mange des pâtes, par exemple. On se comprend. Quelque chose qui est moins digeste. Donc, fibre essentielle, on commence nos journées par ça le matin. Et après ça, j'ai mis... Le smoothie, suite à oui, ça. Oui, mais je ne veux pas en parler du smoothie parce que si les gens mangent trop de glucides, bien, je l'ai ici. Oubliez ma remarque. Bien, j'ai fait un calcul sur le site, vous irez voir combien il y a de glucides dans un smoothie, mais il n'y a pas que des glucides. Mais on peut en prendre un plus petit aussi. Bien, c'est ça. Goût. Avant, c'est moi, je prenais un Vitamix au complet de smoothie. Maintenant, je prends un verre. J'ai, ça, c'est pas un verre en face. Non, je sais, mais là, regarde, j'ai pris ça ce matin. Le reste, je vais le garder pour demain matin. Okay. Mais c'est la réflexion de voir... Il te reste 5 minutes parce que tu as rendez-vous à 10h10. Oui. Donc, glucides, j'ai une réflexion là-dessus et le calcul, c'est sur le site. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi des fibres dans le smoothie. Il y a aussi du potassium. Dépendamment des légumes que vous, des fruits que vous mettez dedans, il y a aussi des vitamines. Il y a, bon, du smoothie, mais ce que je... On ne commencera pas à dire qu'un smoothie, c'est pas bon. Là. C'est juste qu'il ne faut pas exagérer. Toi, t'en... Genre, mettons un verre, mais c'est parce que si vous prenez que des glucides dans la journée, là, ça peut être c'est trop. Ça, c'est ça l'affaire. Donc, l'option délicieuse, fontaine de jouvence, pour ne pas prendre de smoothie, c'est le complet collagène. Hier, j'en ai pris 3 au hammam. Tu sais, dans le hammam, l'exercice chaud, froid, transpiration, puis en même temps, on prend ça. C'est même chose dans son infrarouge. C'est tellement agréable. Non, je peux-tu me permettre de dire que 3, c'est beaucoup? Oui. Alors, on continue d'écrire. Mais je le fais une fois par semaine. Mais c'est bon. Moi, je l'aime froid, parce que là, ce que je faisais. Ouais, mais ça, je le mettais mon frigo entre chaque fois qu'on sortait du hammam, qu'on sortait du sauna. Mais c'est ça, décrire ce qu'il y a là-dedans, parce que ça goûte bon en plus. Bon, ça goûte bon et c'est magique. Je vous ai mis l'ensemble des super aliments, OK? Donc, dans les super aliments, vous avez fibres essentielles et l'ami qui est la base pour bien digérer. Vous avez la nourriture ici, ceci, ma fontaine de jouvence, complet collagène, huile TCM. Et vous avez les protéines. Fait que ça, c'est l'ensemble complet. Ceci, c'est de la nourriture par excellence. C'est une source d'antioxydants, protéines. Collagène qui fait aussi du bien. Tu sais, il y a beaucoup de protéines là-dedans, parce que la spiruline, la chlorelle et le collagène qui est aussi une protéine. Merveilleux pour la peau, les cheveux, les articulations, les ongles. Et je rajoute l'huile TCM qui produit de l'énergie et qui va aussi combler la faim. Tu sais, on se sent, les bons gras, si vous avez toujours faim, c'est peut-être qu'il manque de gras. Donc ceci, fontaine de jouvence. Extraordinaire et c'est bon. C'est bon. Donc, un par jour, mais moi, une fois par semaine, quand je fais mon expérience moi-même, j'en prends 3. Et c'est le fun d'après une activité physique. Encore, moi, j'ai pris cette habitude-là. Je ne sais pas si j'ai un réflexe. Oui. Ben, pas avant, mais après, mais c'est peut-être personnel. Tu me vois quand je pars m'entraîner, je prends toi, mon... Tu le prends pendant ton entraînement. Pendant moi, et c'est après. C'est ma récompense. Après. C'est ça. Okay. Mais ça fait ça, tu sais. C'est... Donc, et là, je l'ai écrit, si vous avez faim, vous mangez. On mange quand on... Ben oui. On mange. T'sais, on n'a pas faim. Faut pas avoir faim. Puis après ça, salade. Non, là, il faut que tu sois concis. Oui, mais ici, on a nos vrais salades. Donc, les salades au début du repas. On a des bons potages aussi. Et agrémentez-la, vous le savez. Et là, je voulais juste vous montrer quand on fait. Donc, j'ai du lait végétal. Je mets une cuillère, un scoop. Donc, 30 grammes. Un scoop, c'est 30 grammes. Le calcul, pas besoin de le peser, c'est ça. Je mets un mélange de protéines vanille, un de chocolat et un de cacao. Demain, vous aurez accès au cacao qui est riche en beurre. Et je vais juste vous montrer, je le mélange au mélangeur. Et ça, là, ça, c'est une collation incroyable. Protéines, rajoutez de l'huile TCM si vous voulez dedans. Ça va être encore plus onctueux. Je vous ai montré déjà comment faire le lait végétal. Mais ceci, là, c'est ça que Lucie a dit, c'est extraordinaire. Et notre chère Nathalie, qui, elle, aime beaucoup, beaucoup le chocolat, a troqué le chocolat pour le lait au chocolat. Donc là, ça devient c'est intelligent. Fun, hein? C'est super le fun. Donc, mais vous pourriez rajouter de l'huile dedans. Ça, c'est ce qu'il y a dans votre ensemble
Et c'est ça, le, comment on... Il te reste 2 minutes pour parler des vitamines. Oui, pour moi, l'essentiel, là, vitamine, pour moi et pour les scientifiques qui nous entourent, vitamine D, c'est sûr, et les oméga. Okay, parce combien que t'en prends de D, toi? D, on a une équation, c'est 50 unités, c'est l'équation de Jean-Yves, 50 unités par kilo. Sans donner ton poids, là, t'en prends combien? Moi, j'en prends 4. OK. Mais je pèse 122. Okay. Mais, tu sais, mais je l'ai calculé, j'en prends un petit peu plus. Tu sais, c'est pas... les oméga, j'en prends facilement 2 par jour. Mais ça, c'est si... Surtout les végétariens, tu sais, si vous mangez du poisson en masse, OK, pas, peut-être pas besoin d'oméga. Mais, tu sais, c'est vraiment, ça va faire une différence. Ça, c'était les deux les plus importants, c'est ici. Ouais. Okay. Après ça, c'est sûr que multivitamines, c'est une béquille. On les prend toutes, là, mais multivitamines, c'est une béquille. Si on mange moins bien, vitamine C, c'est important aussi. Mais, tu sais, moi, je prends du jus jaune. Si, en ce moment, il y a, dans, par portion, il y a 18 % de vitamine C dedans. Fait que si je prends toute la bouteille, j'ai pas besoin de vitamine C. Mais... Je les prends quand même. C'est comme une assurance. Ceci, puis nous, on aime la version croquante. La vitamine D, sachez qu'on a maintenant D et K, merveilleux pour la santé osseuse aussi des femmes. Donc, la vitamine K, plus difficile à obtenir dans la nourriture. Là, si vous manquez d'énergie, complexe B, c'est, il est en version active. Il fait toute la différence. Les vitamines B sont facilement accessibles. Ceci est très intéressant dans les minéraux. Si vous avez des ongles qui cassent, si vous avez des cheveux qui... Tu sais, peu importe, là, allez voir dans le tableau. Ça se pourrait que ce soit un manque de magnésium et zinc. Le magnésium, toutes les femmes qui le prennent, on mentionne qu'elles dorment mieux la nuit. Le zinc, très intéressant. J'arrive à m'envoyer une étude qui a été faite, en tout cas une publication, où des chercheurs, des médecins, tout ça, du monde du milieu médical... En Europe, ont validé que ceux qui ont développé des symptômes plus graves avaient tous unanimement un manque de zinc et de sélénium dans leur donc c'est chouette d'en prendre, tu sais, puis pas juste d'en prendre aujourd'hui parce que des comme la vitamine D, ça prend 2 semaines avant que ça soit compris dans notre sang. Là, donc, tout ça, c'est un travail à long terme. Ça va dans les deux sens. Quand on triche, ça va dans les... Les probiotiques, si on a une mauvaise gestion, on a vu ça avec Jean-Yves, ça se peut que ce soit un manque de probiotiques. C'est sa formulation à lui aussi, les probiotiques pour enfants. Des bons gras, c'est important. Ensuite, gluconique, métabzène, ce sont les deux formulations de Pierre Haddad pour les personnes qui ont la difficulté à gérer le sucre, métaboliser le sucre et quand ils prennent du sucre, qu'il y a des pics d'insuline, donc des pics là, au niveau de l'insuline. Donc, ceci, c'est les formulations de Pierre Haddad pour ça. Silice et B12, Jean-Yves dit qu'à un moment donné, autour de 50 ans, ça devrait être des suppléments essentiels. Moi, la silice, je la prenais pour mes cheveux et la B12 parce que je suis végé, mais apparemment que même des personnes comme mon chum devraient prendre la B12. Focus, très intéressant. Focus pour l'attention, pour c'est pour la santé cognitive, si on veut. Et on a l'extrait de thé qui est pour la gestion du poids, mais qui est aussi un ingrédient fascinant pour la peau, pour la beauté. Donc, moi, je le prends aussi, l'extrait de thé. Donc, voici, tu n'es pas obligé de tout prendre, là, comme je vous dis, mais c'est des indications et le tableau peut aider aussi. Et voilà. Alors, moi, le zinc est en capsule. Tout est en capsule. Sauf nous, ce qu'on aime prendre, là, c'est quasiment des bonbons. Ça. C'est des bonbons. Oh, c'est très bon. Nous, on est comme des bébés, on prend ça, la D, on peut l'avoir en gélule. On peut toutes les avoir en gélule, mais sauf la B12. Mais nous, on les prend à croquer. Parce et le temps bon. Passe. Oui, donc, et on les prend, que ce soit le matin, on s'installe, ou comme Lucie fait, elle se prépare ses pots pour la semaine. Mais moi, je les prends le matin ou le midi ou le soir quand j'ai oublié. Puis, je vous embrasse. Et là, on écoute le direct des deux sœurs. Passez une très, très belle journée. Maquillage. Bye, bye.